Bonjour à tous, c'est Super NES, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez exceptionnelle. On est déjà avec une très grosse équipe comme vous pouvez voir autour de moi. Aujourd'hui on est chez Jean-Christophe et Audrey au Gate 90 World. Je recommence, Gate 90 World. Pour tous ceux qui savent que je parle un anglais extrêmement magnifique, c'était le moment de se foutre de ma gueule. Alors, bon, dis, hein? Redis-le. Dis le nom. Gate 91. Gate 90 World. Non, attends. Gate 90 World. Voilà, ok. Gate 90 World. Ok, voilà, c'est bon. Et le plus drôle, c'est qu'il sait absolument pas ce que c'est. À tout le monde derrière, c'est. Mais lui ne sait pas. Jean-Christophe est ici avec moi. Et donc, vous allez voir ce qu'il a fait. C'est exceptionnellement incroyable. Et je pense qu'on peut y aller directement. T'en penses quoi, toi? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ok, ok, on y va. Let's go. Donc en premier ici, on a Samia, Ismaël, Mounir, Anas que vous avez déjà capté, Gauthier et Arkady. Ok, déjà, merci à eux d'être venus aujourd'hui pour faire ce tournage. Merci encore une fois à Gate 90 World. Comment c'est? Hein? Le nom? Gate 90 World. Ok! Yeah. Une petite danse. Déjà Ok, donc le système il est simple, on va jouer à plusieurs jeux, d'accord? On va s'affronter en deux équipes de trois, on va encore voir qui sera dans quelle équipe. Et Anas ici ce sera notre joker. Ça veut dire que chaque équipe a le droit d'utiliser Anas sur à chaque fois un jeu. Donc vous avez le droit à l'utiliser trois fois, on a le droit à l'utiliser trois fois. Mais il faut donc bien réfléchir stratégiquement, c'est à quel moment qu'on peut utiliser Anas. Ok, du coup, on va commencer avec le jeu Time Crisis 2. Pourquoi on commence par celui-là? Déjà, un, parce que c'est le premier qu'on voit. Deux, parce que j'ai tellement claqué d'argent dans ce jeu à la foire que c'est important pour moi qu'on commence par celui-là parce que ça me permet d'exorciser, de relâcher la pression. Qui fait bien? Ok, c'est le plus important parce que de toute façon, il y a des jeux ici auxquels on va jouer. Les jeux sont faits pour qu'on perde. Donc de toute façon, c'est le système des jeux d'arcade. Donc n'hésitez surtout pas à kiffer et c'est le plus important. Ok, on y va, on commence par Time Crisis 2. Let's go. Ok, Samia est en tête. 3370, Mounir 2460. Mounir est en tête. Suivant. Gauthier est en tête. Vas-y, Arkady, ça remonte. Yes. Ok. Quel chiffre! Oh là 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 là. Stage numéro 2, la revanche. C'est ça. Ismaël est en tête, hein. Oh, c'est bon, on a gagné. Merci. You win. Ok, on passe au jeu suivant. Au jeu des pêches. Stratégiquement, la même chose. Au début, c'est plus facile. Donc, à vous de mettre dans les trois premières pêches la personne que vous pensez va faire le moins. D'accord? Donc, c'est la même chose chez nous et au fur et à mesure. Ça va? Parce qu'il y a les trois niveaux. À la fin, le troisième niveau, il faut mettre la personne que vous pensez qui peut frapper le plus fort. Et s'il y a un niveau d'après, bah, à ce moment-là, il faut tout essayer parce que c'est vraiment chaud le quatrième niveau. Pour rappel, à ce jeu, il y a un mec qui a fait 306 au punch. Si on gagne, si on bat ce record, on a droit à une entrée gratuite, c'est ça? Ok, ça va. Vas-y, let's go! Patate de forain, ça fera 6, ok. Là, t'as encore droit. 243. Elle est sèche. Putain de rêve.
Tu as sauvé la planète de du météorite. Elle est bien mise, hein. Ouais, elle est vraiment bien. Ok. Ok, on peut applaudir notre équipe du coup. Hey. Ah, Mounir, merci, grâce à toi. Ah, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Hey, on va travailler en équipe. You win. Ok, donc du coup, on est à combien là? Dans les jeux là? On est à 2-0 là. On est à 2-0. Ok. On passe au jeu suivant. Au jeu suivant. Hey, j'ai fait 184, c'est moins qu'eux, mais j'ai un bibi sympa et j'ai un tri-tri sympa aussi, vous inquiétez pas. Étant donné qu'il y a trois sièges, d'accord, il faut que ça soit absolument en termes de compétition. Donc, le mieux, c'est de faire peut-être... Il y a quatre sièges. On va faire deux contre deux, d'accord. Il y a une équipe qui prend déjà Anas, ok, avec un dans leur équipe et deux de l'autre équipe. Ça va. Et après, ça change. Let's go, let's go. Gauthier premier, Samia deuxième, Anas troisième et Arcadie quatrième. Samia a pris la tête. Ok, let's go, Samia. Vous m'avez dépassé au dernier moment, hein. Ok, on a égalité sur ce jeu. Ok. Ok, sur ce jeu-là, on est égalité. Donc du coup, on est à 3-1. C'est normal, c'est normal. Ah ouais, non, on a gagné en fait. Ah mais oui, on a gagné encore. Bah oui, hein, ils sont premiers tous les deux. You win. Oh, 3-0. Oh, okay. Vous savez quoi, on vous donne la victoire. Ok, on va passer à Street Fighter. On va se casser la gueule à Street Fighter. Le truc c'est que là, normalement, il n'y a pas de gars qui gèrent à part peut-être ce type. Et vous avez qui a déjà joué au pad et tout? À part ça. Ok, à part lui, ok. Donc du coup c'est au pad. C'est une galère incroyable, ok. Je ne gère pas du tout. On va voir ça tout de suite. Ok, let's go, Street Fighter. Vas-y, Anas. Ok, alors le petit résumé de cette vidéo, c'est que on a gagné, hein. Yeah. Ah, on est d'accord, on a gagné. C'est pas grave, hein, ça arrive. Ça arrive de perdre. C'est pas le plus important. L'important c'est de. Ah, c'est bien ce qui me semblait. En fait, c'était super important. Ok. Ok. Donc la première chose à savoir, c'est que. Smaïd ici, il a la haine parce qu'il n'a pas réussi à faire le score qu'il fallait. Mais Mounir, il a fait un score incroyable. À savoir que le mec du Get 90 World, quand il a entendu 286, il a dit « Mais c'est qui a fait ça? Il n'y a personne qui a la carrure pour le faire. » Mais c'était Mounir, donc ça veut dire que ce n'est pas la carrure qui compte. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va sûrement revenir pour essayer de faire les 306 parce qu'il veut gagner la première place. J'aimerais remercier Arcadie, Samia, Smaïl, Anas, Gauthier et Mounir de m'avoir accompagné pour cette vidéo. J'aimerais remercier le Get 90 World de nous avoir accueillis. L'accueil est incroyable. Je vous conseille vraiment de venir ici. Il existe des salles d'arcade, mais là on est sur une salle d'arcade vintage. Okay, tous les jeux qui sont là sont les jeux à l'ancienne. C'est les jeux sur lesquels je me suis ruiné en francs. En francs, les gars. C'est-à-dire, on est vraiment sur du vintage. Okay, t'étais même pas né quand il y avait les francs. Tellement vieux. Ouais. Ok, donc voilà. Merci beaucoup. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, faites quelque chose, faites-le, dis-le.
Comment plus fort, plus fort? À tout feu. Merci encore à tous. Et à la fin, je sais toujours choose, donc on va le faire ensemble. Ça va? 3, 2, 1. Choose.